Rocher son sixième titre de champion du monde. Et du côté des Français, Pierre Gasly a été classé dixième grâce à la pénalité infligée à Daniel Ricciardo et Romain Grosjean, lui, a dû abandonner. Et puis en judo, nouveau titre pour Clarisse Agbenyedou. La Française conserve son titre de championne d'Europe en moins de 63 kilos à Minsk. Elle est désormais quadruple championne d'Europe et double championne du monde. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Ils sont nombreux, je vais me tenir à carreau ce matin avec nos invités du jour. On va parler de la SF Commentry, donc âgée de fin de saison qui a eu lieu il y a quelques jours. Et puis surtout, on va parler perspective avec nos invités ce matin. On va faire le tour avec Jean-Claude Germe, bonjour. Bonjour. Co-président désormais qui partage la présidence donc avec Lionel Brocard, bonjour. Oui, bonjour. Thierry Dupichot est également avec nous ce matin, membre de l'équipe dirigeante. Bonjour. Et puis sur l'aspect sportif pur et dur, on a les coachs finalement. Anthony Buva, nouveau coach également, bonjour Anthony. Bonjour. Et puis Mickaël Sauzet, bonjour Mickaël. Bonjour. Et merci à tous les cinq d'être avec nous ce matin pour parler donc de ces changements dans la continuité, on disait hors micro, c'est un peu comme ça qu'il faut le résumer. Qui prend la parole du coup, ça va être compliqué. Oui, 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 allez, le co-président Jean-Claude Germe. Parce que bon, il y a aussi un peu de lassitude, bon, il faut un peu de changement aussi, c'est ce qui est normal, ça fait un moment que je suis là. Et puis on cherchait toujours un remplaçant, et puis voilà, bon, on est arrivé à trouver Lionel qui a décidé de s'investir à ce niveau. Et donc je l'accompagnerai pendant... je ne sais pas, on verra. 12 ans, c'est prévu 12 ans. Non, ça va, 12 ans déjà, j'ai donné la... Ça fait combien de temps que vous étiez président? Ouais, 12 ans donc. 12 ans, ouais. Donc, bon. C'était un remplacement au départ. Ouais, mais bon. Alors bon, il vaut mieux le faire. 12 ans, ouais. Il vaut mieux le faire progressivement, c'est la meilleure formule que vous aviez trouvée finalement. Ouais, ouais. Oui, c'est bien. Bon, ça va permettre évidemment d'amener aussi des idées nouvelles peut-être, voilà, un petit peu de renouvellement. Lionel Brocard, donc expliquez-nous un petit peu ce club, vous le connaissiez évidemment, pourquoi vous avez voulu vous investir un petit peu plus? Tout simplement, c'est dans un premier temps la passion du rugby, hein. Je traîne mes baskets pourries sur les terrains le samedi après-midi pour regarder les jeunes, et surtout mon fils, Jules. Mais c'est aussi l'envie de rejoindre Jean-Claude et de donner un coup de main à ce club. Dans la continuité, ça c'est sûr, puisqu'on va pas révolutionner les choses. Mais je serai attentif et j'apporterai peut-être en effet quelques idées nouvelles pour que ce club nous montre un peu ce qu'il a dans le ventre, et je sais qu'il en a. Qui va faire quoi finalement? Est-ce que c'est déjà prédéfini? Comment ça se passe? Entre nous? Oui. Non, pour l'instant. C'est secret défense. Non, il n'y a rien de précis, on va voir. Ça ne sera pas facile peut-être au départ. Ouais. Parce que lui étant à Montluçon, moi à Coventry. On va s'arranger. Ouais. Thierry Dupichot, c'était intéressant comme ça d'avoir un suivi et puis d'avoir de nouvelles personnes qui s'impliquent finalement. Oui, en fait, l'intérêt, on a toujours fonctionné avec des gens du Sérail. Et on s'est dit au niveau du bureau que ça serait peut-être bien de faire rentrer quelqu'un qui pourrait nous faire grandir, d'apporter des idées nouvelles, une expérience d'élu, une expérience de chef d'entreprise, en fait une expérience de décideur. Et comme Lionel a eu aussi par le passé une expérience dans le monde associatif et le monde sportif, c'était l'occasion de s'appuyer sur des compétences nouvelles. Voilà, donc la boucle est bouclée pour cette année en tout cas, et on espère que ça va durer très longtemps. Bon, quel bilan vous tirez de la saison écoulée déjà, avant de parler d'avenir? Là, c'est le président Jean-Claude Germe. Allez-y, rapprochez le micro peut-être. Voilà. La saison, ça a été très bon au niveau des jeunes, un peu moins au niveau des seniors. Mais bon, on va voir. Bon, c'était une mauvaise saison. C'est pas... ça ne sera que mieux l'année prochaine. Quoi. On ne peut faire que mieux maintenant. On sait que la SFC est surtout connue pour ses équipes de jeunes, notamment. Ça marche toujours aussi bien, les jeunes? Ah oui. Ben, on a 140 gamins à l'école de rugby. On a une équipe de moins de 16, une équipe de moins de 19. Ouais, de ce côté, c'est pareil. Maintenant, il ne reste plus qu'à se reformer un petit peu au niveau des seniors. À revenir déjà, bon, pour moi l'objectif ça serait, je sais pas, on verra les sportifs tout à l'heure, mais de revenir déjà en promotion d'honneur, ça c'est sûr, et vite. On va parler. On va parler de tout ça, ils n'étaient pas au courant. On va parler de tout ça d'ici quelques secondes. Lionel Brocard, évidemment, le cœur de la SFC, ce sont les jeunes. Vous le disiez, vous allez poursuivre dans cette voie, de faire un focus sur les jeunes. Ben oui, à titre d'exemple, Thierry me le rappelait tout à l'heure, samedi, c'était le barbecue de l'école de rugby.
Et c'était 230 personnes. C'est super, quoi. Une journée magnifique. Bon, hormis, je crois, une petite casse, mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Un genou de M. Olivier Méfredi, il nous écoute, donc je me permets de le citer. Oui, de la continuité. Il y a de solides bases, des éducateurs motivés. On les voit à tout niveau. Des moins de 16 aussi qui ont fait une belle saison et qui, à mon avis, sont encore prometteurs cette année. Et une équipe junior tout à fait dans la lignée de l'école de rugby. Et puis de jeunes joueurs qui portent haut les couleurs de Commenterie dans des clubs plus huppés, on va dire, hein, puisque vous avez toujours certains représentants, notamment à l'ASM par exemple. Ça, c'est, il y a le petit Kyros Tournadre, effectivement, qui joue en Crabos et qui a aussi quelques velléités pour faire du Seven. C'est un gamin adorable, mais pétri de qualité. Et c'est vrai qu'il représente le club. On est ravis. Et on est aussi ravis quand on voit ces jeunes revenir au club. Et cette année, on devrait enregistrer le retour de l'un d'entre eux, qui a fait une expérience au plus haut niveau et qui devrait revenir. Mais je laisserai Anthony et Mika le soin de vous en parler. Vous avez bien teasé hein, tout ça hein, pour eux, parce qu'on va parler justement donc, de peut-être ce qui a un petit peu été plus compliqué, c'est l'équipe senior cette année, avec des résultats peut-être en deçà de ce qui était espéré. Comment on peut analyser ça? Moi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Michael, sans aide. Oui, effectivement, après, on a eu une grosse baisse d'effectifs sur le départ de l'année. Après, on rate enfin, il y avait une nouvelle formule de championnat aussi. Hein, donc, on rate le fait de rester en promotion d'honneur d'un seul point. Bon, voilà, après, c'est. Effectivement, on aurait pu aller chercher assez facilement, je pense, si on avait mis un petit peu plus d'envie sur certains matchs. Moi, je vais retenir la fin de saison. On est parti avec un groupe qui n'était pas très nombreux, mais toujours présent. Et on a fait. Une bonne sortie à Charleroi, chez les Belges, avec un beau match. Et puis on va retenir ça, parce que ça suffit, je pense. Donc il y a eu une baisse en termes d'effectifs qui va se poursuivre. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Alors je l'ai été, j'avoue, hein, je l'ai été. Mais je ne le suis plus. Ça, c'est une bonne chose. D'accord. Les effectifs vont remonter. Voilà, je vous le promets. Voilà, ça c'est fait. Objectif donc de remonter en promotion d'honneur, hein, Anthony donc, et Mickaël, ça sera l'objectif de la saison prochaine. Il est clairement affiché, là il a été donné en tout cas par le coprésident tout à l'heure. Oui, c'est une bonne nouvelle, hein, merci pour eux. On avait dit qu'on n'en parlerait pas, c'est fait, un petit coup de presse avant de commencer. c'est l'objectif des dirigeants. On a aussi. Un objectif, mais on se l'est dit entre joueurs, et moi je le dirais pas. Je dirais pas notre objectif. Il est prudent. Après, faut être prudent. En fait, après, tout de suite, on s'est attaché à regonfler l'effectif, comme a dit Mika. On va dire que ça a pas trop mal répondu. On va dire c'est certainement la nouveauté, puisque on n'a pas cité, mais il y a aussi Manu da Silva qui nous rejoint dans le trio des entraîneurs. Et on va dire que normalement, dans tous les clubs, la nouveauté c'est salvateur et il y a forcément une nouvelle dynamique qui risque de s'enclencher. À nous de l'entretenir le plus longtemps possible. Et pour l'entretenir, c'est tout simplement d'avoir des résultats. Nouveaux joueurs, vous avez été un petit peu dans le secteur, recruté. Comment ça se passe, certains qui recruté, recruté entre guillemets, oui. On allait à l'ASM, mais ils n'ont pas voulu venir. C'est pas facile. C'est compliqué de recruter parce que déjà, j'ai pris ma décision super tard. La première des choses, on s'est attaché à rappeler tous les joueurs seniors pour essayer de les remotiver et de repartir sur cette nouvelle aventure. C'est le plus gros des recrutements en fait, parce que recruter c'est bien beau, mais si on en recrute 4 et qu'on a 20 départs, le bénéfice, il n'y en a pas. Conserver ceux qui sont là déjà. Exactement, voilà, donc a priori ça n'a pas trop mal répondu. Après recruter, oui, on a un joueur qui va nous rejoindre, qui est Guillaume Moret, qui a évolué au plus haut niveau, à un plus haut niveau. Mais tant mieux, c'est bien, ça amène toujours un petit peu de renouveau au niveau du groupe et ça c'est très bien. Ouais. Après, on va essayer d'en faire un ou deux autres si on peut, mais avec des moyens limités, voire pas de moyens, mais juste nous rejoindre sur un effet de groupe parce que nous on mise tout sur le groupe, voilà. On n'a pas de moyens, mais on a des valeurs, alors c'est ça la différence.
Voilà, c'est là-dessus que vous allez jouer. Anthony, tu replonges finalement en termes de rugby, ça te manquait un petit peu? Oui, un petit peu. Les terrains. On va dire, les soirs d'hiver chez moi, c'était long. Il fait nuit tôt. Je m'ennuyais un peu. Non, mais le projet m'ont présenté, enfin, le projet que m'a présenté les dirigeants de Commentry m'a bien plu. Et puis, voilà, tout simplement. Et puis, comme j'ai dit, c'est aussi histoire de boucler la boucle, puisque ma première licence de rugby, je l'ai prise à Commentry. Donc, voilà, c'est un retour aux sources, mais il y a très longtemps. Voilà. Bon, on va suivre ça. En tout cas, tout se prépare. La reprise est fixée pour quand là, pour les jeunes, pour les seniors? Pour les seniors, alors, c'est quand? Pour les seniors, c'est le 14 août. Ouais. Voilà, puisqu'il y a un impératif le 31 août. Et voilà. Après, le championnat, on ne sait pas du tout. Faut attendre. Ça sera sans doute un gros mois plus tard, quoi, mi-septembre, quand vous allez reprendre. On attendra un peu la nébuleuse de la fédération. Allez, calendrier, c'est pas toujours facile. Pour les jeunes, la saison est terminée, il reste encore quelques tournois? Non, la saison est terminée, la reprise est prévue fin août, puisque toutes les catégories du club seront amenées à jouer pour le 110e anniversaire du rugby à Commentry le 31 août. Donc ça, c'est le gros événement. Voilà, tout le monde soit sur le terrain avec une licence, parce qu'il faudra être assuré pour pouvoir participer. Mais ça s'annonce plutôt pas mal. Donc on espère qu'on aura beau temps, un programme chargé. Je t'en avais glissé un mot, mais le samedi, on aura toute l'école de rugby avec la présence de Pierre Villepreux pour piloter l'entraînement. On aura les Belges de Charleroi pour jouer contre les U16, les U18 et les seniors. On aura les Espagnols d'Oviedo qui joueront contre nos filles, les Rhinos. La veille, on aura organisé un tournoi de rugby à toucher avec une quarantaine d'équipes au stade annexe. Et puis on finira le dimanche avec un très gros programme, puisqu'on devrait avoir les Anglais du collège Taylor Merchant de Liverpool pour jouer contre les jeunes. On aura les juniors Crabos de l'ASM qui joueront contre ceux de Nevers. Et la cerise sur le gâteau, on aura l'US Issoir, championne de Fédéral 2, qui devrait affronter un autre club de Fédéral 2 avec des velléités pour monter en Fédéral 1. Pour le moment, on est en pourparlers, on ne peut pas vous communiquer le nom. Mais ça fera un très très gros programme. Et si je vous dis qu'il y aura la bandasse de l'ASM le dimanche au stade, ça devrait être un joli moment de fête. Vous reviendrez nous en parler fin août. Avec plaisir. Donc ça, on note déjà le week-end, c'est le... Le 31 août, alors 30-31 août et 1er septembre. Voilà, eh bien on vous invitera évidemment pour la reprise de la saison du Good Morning Montluc pour nous parler de tout ça et nous détailler tout ce programme. Merci à tous les cinq d'être passés à notre micro. Bonnes vacances. Merci à vous. Et on se retrouve la saison prochaine avec l'ASF Commentry. Il est 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et